Les mesures agri-environnement sont de nature assez variée. Elles servent à améliorer ou à faire intégrer un certain nombre d'enjeux environnementaux dans les pratiques agricoles. Donc, ce qui peuvent être à la fois au niveau de la fauche dans les prairies, et là pour le programme qui nous concerne, c'est pour la gestion pastorale des alpages. On ne fait pas du jardinage là, hein. On a en tête à la fois des problématiques de production et une approche agronomique des troupeaux, et puis des problématiques environnementales. Et l'avantage de ces plans de gestion, c'est de voir là où ces deux problématiques peuvent se rejoindre et fonctionner ensemble. Ici, très concrètement, on a une problématique, donc c'est un groupement pastoral, beaucoup d'éleveurs, un troupeau qui est difficile à garder et qui avait tendance à très rapidement monter sur des milieux d'altitude fragiles. Hein. Au milieu d'altitude, on parle bien souvent de la 2500 mètres, où se confondent à la fois végétation, pierriers, qui sont des zones d'habitat et de refuge à la fois pour la faune sauvage. Hein. On parle de l'agopède, on parle aussi de boutins, de chamois, et on entrait un peu en concurrence pendant des périodes critiques pour toute cette faune sauvage. Et la proposition qui a été faite, c'est de dire au groupement comment on peut faire pour reculer de 10 jours la montée du troupeau sur ces zones, pour permettre finalement à cette faune sauvage, on va dire, de se refaire, de faire son cycle, et finalement de ne pas entrer en concurrence sur la ressource alimentaire au niveau de ces zones d'altitude. C'est plus sec là, ce côté-là. Alors, bon, ce n'est pas le même climat que là-bas, hein. L'herbe. Là-bas, elle est meilleure. Hein. Bon, il y a un peu ça. Bon, enfin, on s'est quand même mis d'accord et on a voté pour... On a dit oui. Quoi. Nous, on leur demandait de ne pas pâturer avant le 10 août. Charge à eux de mettre les moyens qu'ils souhaitaient. Trouver des surfaces disponibles, mettre en place un nouveau point d'eau pour pouvoir rester plus longtemps sur certains quartiers. Alors, on les aiguille, on les accompagne dans leurs projets, mais c'est bien, on n'impose rien. C'est pas compliqué, mais bon, ça nous change des habitudes. Bon, avant, on allait là-bas le 1er août, maintenant, on est obligé d'aller le 10 août. Bon, c'est ça. Est-ce que la montagne là, ça... Bon, là, le problème, c'était il manquait de l'eau. Bon, maintenant, on a amené l'eau, ça change beaucoup de choses, et on peut tenir jusqu'au 10 août. Hein. Le parc, avant, ils ne savaient pas trop quand elles arrivaient, parce que les brebis, elles passaient à l'heure qu'elles voulaient. Quoi. En fait, étant donné qu'elles n'étaient pas gardées, elles pouvaient partir le 1er juillet, comme le 10, comme le 15, comme le 25. Mais oui, c'est essentiellement ça. Quoi. Disons qu'elles n'arrivent pas en ordre dispersé en zone centrale dans le parc, puisque là, on n'est pas dans la zone centrale encore. Et quand elles arrivent en zone centrale, elles arrivent à deux troupeaux bien distincts, un qui prend un quartier précis et l'autre un autre quartier. Voilà ce que ça a apporté, ça, déjà, un suivi. Là, on signe pour 5 ans, quoi. On s'est engagé pour 5 ans. Bon, ça ramène quand même quelque chose. Bon, c'est pas tout mauvais, quoi. Il y a du bon. La montagne, c'est un milieu qui est partagé maintenant. Et il n'y a pas d'issue pour les éleveurs et pour les bergers d'être capable de faire avec ceux qui vous entourent et qui, eux aussi, gardiens de refuge, vivent aussi de la montagne. L'originalité de la mesure, c'est qu'on discute, on essaye de négocier avec chaque exploitant agricole sur son alpage quelles sont les mesures de gestion ou les résultats environnementaux que l'on souhaite voir concrètement. Ici, nous sommes sur l'alpage des Avals, qui est sur la commune de Saint-Bon. Saint-Bon, c'est la commune qui est la commune support de la station de Courchevel. Le tétralyre est un enjeu pour l'alpage. L'eau et les milieux aquatiques en sont un autre. L'érosion de certaines parties un petit peu plus sensibles que d'autres sont aussi un enjeu. Donc on ne va pas travailler sur les 600 ou 700 hectares de l'alpage parce que ce n'est pas nécessaire. On ne va pas essayer d'aller chercher à progresser sur des choses pour lesquelles il n'y a pas de problème. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est les choses pour lesquelles on remarque un petit peu de marge de manœuvre possible dans un sens ou dans l'autre, dans le sens de la plus-value environnementale ou dans le sens de la plus-value économique agricole. Et puis, dans un dernier temps, mais là, il y a déjà eu des gros efforts de fait par l'agriculteur avant même tout ça, c'est la qualité de l'eau, la qualité des milieux humides. Les pratiques traditionnelles ne sont pas remises en cause. Et on est obligé de réfléchir un petit peu plus avant d'agir, c'est tout.
Au lieu de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, on va mettre les génisses là pour telle et telle raison, on va s'organiser autrement, parce que là, on risque d'avoir des couvées de tétra ou de lagopèdes ou de n'importe quoi. Et il faut qu'on laisse à ces bêtes le temps d'élever leur successeur. Donc, oui, ça nous oblige quand même à travailler autrement et à éviter la facilité. Parce qu'on n'est pas plus courageux que les autres. Hein. Quand on peut faire facilement, on fait facilement. Il y a des alpages où ils mettent la machine à traire à un endroit, elle reste pendant 3 semaines, ils traient dans 50 cm de boue, là il n'y a plus rien qui pousse, les vaches elles saccagent tout. Donc il faut essayer de ne pas faire traverser les vaches, les marais aux vaches, de pas des choses comme ça quoi. Dans les pentes, si on les fait toujours passer au même endroit, ça fait des chemins. Et puis ça peut faire des ravinements, des choses comme ça, surtout nous avec un gros troupeau. Si on est dans de la haute valeur environnementale, déjà de fait. Nous, l'idée qu'on a déjà sur un bon nombre d'espaces, c'est de pérenniser ça. C'est de le reconnaître, de montrer que là, sur ces territoires-là, on a déjà une meilleure valeur environnementale qu'ailleurs. Donc c'est continuer en le reconnaissant, à l'encourager. On est dans des zones où la vie est là par miracle quasiment. Il faut se rendre compte qu'ici, il y a 9 mois d'hiver, grosso modo. Donc les espèces, que ce soit végétales ou animales, qui vivent à ces altitudes-là, sont forcément des espèces fragiles. On se doit de les aider, au moins de ne pas les embêter. On remet les agriculteurs en tant que gestionnaire principal, on leur dit, voilà, nous ce qu'on veut préserver, on dit, voilà, on ne veut pas que les zones humides soient trop fréquentées. On veut que les zones de haute altitude soient peu utilisées. Par contre, on laisse toute la latitude à l'agriculteur pour mettre en place la gestion qui est compatible avec sa gestion actuelle et qui lui semble plus pertinent. La nouveauté, c'est qu'avant, on restait agricolo-agricole. C'est-à-dire qu'on était dans notre montagne, ça faisait 50 ans qu'on était dans notre montagne, on décidait de ce qu'on avait à faire dans la montagne et tout seul. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est un moyen de reprendre le temps et de rediscuter et de se poser des questions sur pourquoi on fonctionne comme ça. Pourquoi on fonctionne comme ça et quelles sont les limites de notre système. Et je pense que ça, c'est important. Peut-être que dans les 5 ans, ils ne vont pas modifier grand-chose, mais la réflexion fait qu'on aura soulevé quelques problématiques. Et puis, c'est du moyen terme. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'issue du plan de gestion, on aura des mesures qui seront, ou des changements de pratiques bénéfiques pour le milieu, qui serviront et qui seront mis en place plus tard. Leur gros avantage, si on laisse de côté l'aspect financier, qui n'est quand même pas négligeable, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux gens que tout n'est pas monnayable en sonnant et trébuchant. Notre richesse, elle est là autour de nous. Et toute cette variété, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune, ça fait partie de notre richesse, et ça, il faut qu'on l'admette.